La sortie de Ready or Not, du coup la release du jeu, je fais une vidéo en même temps sur YouTube. Bonjour YouTube, n'hésitez pas à dire bonjour à YouTube. Ils seront contents. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Alors, station service for you. On part en station service. Période de la journée, il sera 23:00 quand on va taper. Est-ce que tout le monde est là? Ouais. Oui. Yes. Ok, on dit présent mon lieutenant. Présent mon lieutenant. Reçu mon lieutenant. Présent. Ok, je vais la refaire pour les blaireaux dans le fond là. On dit présent mon lieutenant. Est-ce que c'est bien compris? Oui mon lieutenant. Reçu mon lieutenant. Eh les gars, j'ai pas envie de risquer ma vie et de partir avec une espèce de troupe de fucking loutres sous Xanax, ok? Donc vous vous bougez le cul. Quand je vous dis bien mon lieutenant, c'est mon lieutenant, ok? Oui mon lieutenant. Oui mon lieutenant. J'ai pas dû être très clair. Je vais la refaire donc du coup. Ok, une dernière fois, j'ai envie de sentir une espèce de motivation en vous, un truc qui me donne vraiment l'impression que je peux partir avec vous et que vous, vous donnerez vos vies pour l'autre. Est-ce que c'est bien clair? Oui, mon lieutenant. Eh, vous, eh, bande de fils de pute, faites jamais de RP. Vous êtes flingués, c'est horrible. Putain, la vache. Merci Maxilich pour le fait d'être un nouvel étudiant. Du coup, départ de la journée 23:00, nous irons à la station service For You, 5ème rue, à Los Sueños Sud. Saisissant l'occasion, une bande de jeunes délinquants mettant un plan à exécution afin d'alimenter leur extrême addiction. Ok? Et non pas au gaz, vous avez compris? Oui. Oui qui? Oui mon lieutenant. Oui mon lieutenant. Ok. Oh. On n'est plus obligé d'être... Dans la zone. Dans la zone. On a un briefing. Départ dans 1:58 à moins que vous puissiez vous mettre... Allez, chacun check le briefing de la mission. Écoutez-moi à tous. À 23:00, on a reçu plusieurs appels d'urgence en provenance de la station For You à l'angle de la 5ème et de Vendrak au sud. On pense qu'il s'agit d'un braquage impliquant plusieurs suspects armés. Pour l'instant, on n'a aucune info sur l'état de santé de Mudassir Varma, le responsable de For You, ni de Charla Layton, qui nous ont rappelé durant le braquage. On a aussi reçu des coups de fil d'autres civils à l'intérieur, dont Crystal Layton, la fille de Charla. Ils sont deux. Les premiers intervenants ont commencé à boucler les lieux à 23:40, en attendant l'arrivée du D-Platoon. Un agent sur les lieux a dit avoir entendu des coups de feu à 23:45, à l'intérieur du bâtiment principal. On a pu identifier les trois suspects sur place. André Williams, Zion Pretlow et Jaden Fletcher. Ils ont tous eu des démêlés avec la justice pour des infractions liées à la drogue ou des crimes violents. Faites gaffe. Il pourrait être sous l'emprise de méthamphétamine et être extrêmement instable. D'ailleurs, c'est sans doute pour assouvir leur dépendance qu'ils se sont lancés dans un braquage aussi risqué. On peut partir du principe que leur manœuvre était calculée, vu que Debanco, qui est une société de transport de fonds, est passé juste avant l'incident pour récupérer l'argent entreposé sur les lieux. Les employés de Debanco sont connus pour effectuer un boulot risqué et sont régulièrement la cible d'agressions et de tentatives de braquage. À part l'entrée principale de la station, il y a un deuxième point d'accès au nord du côté du restaurant. Si aucune des deux options n'est viable, il y a deux points d'entrée alternatifs sur les côtés du bâtiment. Mais l'un nécessitera peut-être un pass d'employé. On devrait pouvoir, à mon avis, trouver ça dans un coffre mural sur les lieux. Retenez-le. Il est possible que les suspects se soient enfuis du bâtiment principal pour se retrancher dans le garage qui est à l'est. Donc soyez prudents en vous déplaçant à l'extérieur. Il est peu probable que nos suspects portent des gilets, ils sont armés et ont montré qu'ils étaient prêts à faire des victimes. D'après la description d'un témoin, on sait qu'au moins une cible possède un pistolet semi-automatique 9mm. N'oubliez pas, l'usage de la force ne doit être fait qu'en dernier recours. Nous n'y allons pas dans une volonté de tuer qui que ce soit. Est-ce que c'est bien compris? Oui, mais mon lieutenant. Voilà. Mon lieutenant, si je peux ajouter, par où souhaitez-vous passer? Quel schéma tactique voulez-vous utiliser? Écoute-moi bien, du con. Tu vas bien m'écouter parce que tu vas commencer à me courir sur le haricot, là. D'accord? Je te donnerai les informations au moment où elles m'arriveront. D'accord? Je ne fais pas de rétention d'informations. D'accord? Ça sert à rien de me poser des questions. Est-ce que c'est bien compris, Sergent Tisma? Oui, mon lieutenant. Merci. Et merci, Papa Carton, pour les 20 mois de frais de scolarité. Merci, Papa Carton. Bon, du coup, effectivement, on doit intervenir tout de suite, là.
Donc j'ai pas, je ne sais pas, j'ai même pas eu le temps de regarder les plans des lieux. Néanmoins, je connais un petit peu la zone. Ok. Et il y a que deux bâtiments. D'accord, le bâtiment principal dans lequel on pense qu'ils vont être, qui doit être visiblement la station-service que vous connaissez tous, puisque ça fait 5 ans que vous êtes tous à Los Sueños, donc vous le savez. Ou autrement, le garage à l'extérieur. Donc attention, ils vont pas être retranchés forcément nécessairement à l'extérieur. D'accord ? Même quand vous vous déplacez à l'extérieur, extrême vigilance. Personne n'est blessé. Venom Gloom passe droit au campus. Merci Venom Gloom pour les 6 mois. En avant. Mon lieutenant, en regardant la tablette, je viens de me rendre compte qu'on a des médias de ce qui se passe à l'intérieur. Ok, laisse-moi regarder. Listen up. At around 20... Hey, personne ne bouge. Ah mais il m'a donné 2 minutes pour y aller là. Nom de Dieu. Ok. Sur les téléphones qui vous sont fournis. D'accord. Si à un moment vous voyez les otages, etc., vous pouvez les noter directement pour tout le monde. Tigracing passe droit au campus. Okay. D'accord, mon lieutenant. D'accord ? Ouais. Et le passing, là, je ne sais pas à quoi il sert. Qui est-ce qui a fait cette merde, là ? Mais bon. C'est... Sergent Tisma. Y a pas de hasard. Nom de Dieu, ils ont fait un truc de ouf. Attendez, mais tu peux avoir la caméra des autres en grand, en fait. Ouais. Ouais, dans caméra, là, dans ta tablette, ça c'est bien, mais j'ai pas trop l'utilité, du coup. Bah, si par exemple, équipe Alpha attaque point Alpha et que l'équipe Bravo attaque le point Bravo. Et du coup, on peut se mettre en relation et dire, ok, au top, on part... Enfin, ainsi de suite, quoi. Je pense que c'est pour ça, les caméras. Ou garder une personne derrière en plus grand. Ou garder en plus grand plan si par exemple il y a un petit truc à montrer d'un côté. Plutôt que d'avoir l'encart. Enfin, ça fait plus RP. D'un point de vue RP, l'immersion sera mieux. Mon lieutenant, on a également l'identité des. Des suspects, ouais, j'ai vu. Ouais. Et mais ça, c'est bon, également. Ça a déjà été donné. Les civils 2, 3 du coup. 3 civils, 3 suspects. Attention aux méthamphétamines, les mecs vont être complètement des crackheads là. Donc c'est comme gérer des zombies. Et du coup, peut-être qu'ils résistent à plus ouais, de. Ouais, peut-être qu'ils vont balles. Pas. Absolument, t'as n'hésitez pas. Cartouches. On est tous en non-létal, donc faites-vous plaisir. Ouais. Ok. Ok, du coup, premier de colonne, Grumpy, deuxième de colonne, enfin deuxième, Jump. Tu prends le bouchon arrière, s'il te plaît. Qui est-ce qui va s'occuper du bouchon arrière ? Baizu, tu prends le bouchon arrière, ok ? Ok, merci. Ok, en avant. Personne inconsciente ? Mettez votre T. Il aurait fallu un deuxième shield pour le coup. Ok, j'ai face à moi une porte, enfin une double porte fermée avec un Pax derrière la porte. Je l'ai pas visuel si c'est un hostile ou civil. Ok, commence à taper à côté de la porte. Essaye de taper au niveau à 11h au niveau du truc rouge là. S'il commence à tirer à l'intérieur, là c'est fini. Il reste sur ma gauche, je suis en position. J'ai un autre visuel sur un Pax à mes midi, à environ 5 mètres civil. Ok, bien pris. Grumpy plus Jumper plus Baizu, vous restez là, ici pour taper directement à l'intérieur, ok ? Venez, 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 tout le monde recolle, ok ? Affirmatif. Côté gauche de la porte ? Mais t'es un fils de pute, Nano. T'es vraiment un fils de pute, quoi. 12h ? Quoi ? Bah alors mon lieutenant, vous avez pris un tour de garde ? Mon lieutenant, vous êtes ce soir, vous avez... Oui. J'ai l'impression que vous tapez le paf. Il a fait quoi ce malade ? Il a fait un don de 200 euros ce fils de pute.
12 heures de live, il a rajouté ce fils de pute. Mais t'es un sac à merde, hein. Pourquoi t'as fait ça? T'es vraiment un connard, t'as envie que je meure en fait. Hein. Oui. T'es vraiment content, un gros fils de pute. En même temps. Et Nano, je connais quelqu'un, il va dire putain, t'aurais pas pu attendre vendredi quoi. Vendredi soir. Non, mais c'est quoi ça? Ah, là, j'avoue, quel sac à merde. 12 heures avec le casque, c'est cool. Non, bah après, je vais mettre le. T'es ouf, la casquette, elle est à côté. Les gars, je vais pas garder le casque pendant 12 heures. Ok. Bon. En avant les amis, hey, on va pas s'emmerder, d'accord? J'aurais bien aimé qu'on split, mais on va pas splitter, d'accord? Donc du coup on essaie d'y aller, ils sont que 3, on essaie de balancer du stuff. Ne lésinez pas sur le stuff, d'accord? Baizu plus moi, Baizu tu prends le bouchon arrière avec Tisma. Tisma prends le bouchon arrière aussi, Baizu, même côté. Même chose, d'accord? On tape directement, Grumpy tu peux t'approcher de la porte, on voit ce que ça donne, d'accord? C'est quoi, c'est T pour... c'est quoi le... Ouais. Pour leur dire de shut the fuck up and... F. Ok. Attention, ça bouge à l'intérieur. Grumpy, ouais. Mets-toi à Kruber. Vas-y, Jumper, approche-toi de la porte, s'il te plaît. Essaye de m'ouvrir cette porte. Je prépare les smokes. Ils sont genoux au sol. Ok, bah les couilles. On stuff à l'intérieur pour pouvoir rentrer. On a un civil à 2 heures. Enfin, je sais pas si c'est un civil. Ceci, civil. Ouvre-moi deux portes, s'il te plaît. Fais gaffe en décalant. Ça part à l'intérieur. Première smoke, elle est ratée. Deuxième smoke, ça part à l'intérieur. Elle est réussie. Elle part à midi. Elle part à 2 heures. Troisième smoke qui part à midi. Et je mets une smoke rebond pour pouvoir y aller, ok? Derrière, on rentre tous les 5. Venez, okay. recoller derrière. Rapide. Allez, 3, 2, 1, ça tape. Go. Je pars à droite. Et j'ai une ouverture à gauche. Je suis à gauche. Ok, RS sur la gauche. Ok. Avec toi, j'ai un PAX ici. PAX avec casquette, okay, je sais pas ce que ça donne. Face à mes midi. Ok, je garde les. Info 2-2-2-2-2-2 2 en face de Grumpy. Ok, un down. Pack traité 2-2 3-3-3-3-3. Ok, ils doivent être là tous les 3. Quelqu'un prend. Chargeur. Ok. T'as un pack ici, armé. Je suis avec toi. Ah, derrière toi, Grumpy. Ok, on avance. Je le tiens en joue. Ok, je dépasse le premier pack. Je vais aller fermer la porte. Je vais le coiffer. Jumper, tu le tiens toujours? Grumpy, essaie de fermer la porte. Ah, il m'attaque. J'y vais. Ok, c'est fermé, je tiens la porte. Quelqu'un le gère, please. Vas-y, je prends la cover. Je peux pas fermer la porte avec le bouclier. Il est à mes midi. Quelqu'un est avec lui ou quoi? Il est en train de parler avec dans toi, on avec est... toi. Il est sécurisé. Vas-y, go, allez-y. Garde-le en joue, je sécurise le mec derrière. Je reste avec les 3 portes et avec le premier mec, vous pouvez y aller à 4. Go. Je suis avec toi. Ok, il y a un otage là. Ok, je prends le suspect. Il y a deux otages. Vas-y. Ok, je prends le suspect. Vous êtes dans la cafette? Dans la cafette. Personne n'a été touché pour le moment. Négatif, ouais. Ok, normalement ils étaient que 3, donc normalement on a tous les packs. L'arme est sécurisée de lui? Okay. Non, mais vous avez push comme des malades là, il y a plein de portes ici. Attends, je wedge. Faut wedger toutes. Putain, les portes là, ouais. Faites pas un grand tout droit là. J'ai deux portes à gérer après. Vas-y, je wedge la porte derrière nous là. Ok. Roger, trailer's inbound. Niquez Voras, je vous dis même pas merci pour vos dons de merde. Vous êtes des sacs à merde tous les deux là. Quentin, Nano, franchement, vos dons, vous les imprimez sur une petite imprimante, vous les roulez en boule, vous les collez dans le cul. Bande de sacs à merde quoi. Vous auriez jamais donné cet argent, vous le donnez juste pour me faire chier quoi. Clair. Je m'en bats les couilles, je mettrai un truc only sleeping et je dormirai par terre, je m'en bats les couilles. Grumpy, en protection de porte s'il te plaît. Ouais. Porte bloquée. C'est wedge. Rien vers toi. Ah, t'as wedge. C'est clear tout là-bas ou pas? Oui. Café clear. Y'a plus de porte, y'a plus rien. Merci Quentin, t'es un monstre. Merci Subaco pour les 10€, t'es un monstre. Merci Nano, mec. Ok, deux portes à gérer, s'il te plaît. Qui est-ce qui la prend là derrière moi? Ok. Je suis avec toi. Ouvre-moi la porte de droite. Ouvre la porte de droite. Elle va venir. 3, 2, 1, top. Go. Y'a un civil à droite. Je rentre. Je suis avec toi. Je suis. J'ouvre à gauche. C'est clear? Clear ici. Porte ici derrière, qui doit sur l'extérieur. Elle s'ouvre ou pas? Je gère le civil. Ouais, elle s'ouvre.
Ok, on a une porte nous qui donne vers le, la cuisine. Elle s'ouvre l'autre, tu m'as dit, bah garde-la poulet. Ouais, je la garde. On a trois portes sur nous là. Vous, attends, on les gère ou quoi? Est-ce que quelqu'un peut wedger ici? Jum, tu peux wedger s'il te plaît les deux portes, porte ouais. Extérieure plus porte en face de moi. Door locked. Je débloque. Ouais. Unlock. Tu refermes la porte là et on y va, derrière on décroche. On arrive. Je suis avec toi. Alors, une cafette. Attention ici. On arrive avec vous, on rejoint. Merci Mr Beast pour les 10€. Mr Beast, hey, Quentin, vous êtes des monstres. Merci non, Quentin et Nano. On arrive avec vous, on est derrière vous. Go clear le private. On est au niveau des toilettes. Vous êtes où? Clear. Ça renfonce sur une autre pièce. Les toilettes c'est clear. Grumpy, je suis derrière toi. Delta, Charlie, Delta. Ok, on va se moquer à l'intérieur du resto, faut se moquer loin. Jump, tu m'aides? C'est rare ça dans le resto. Ah bon? Ok, attends. Ah bah, je sais pas si je peux regoupiller une machine. Ça, c'est mal fait en revanche. Si tu rappuies sur un? Non, laisse tomber. Je pense pas. J'ai essayé de switcher sur l'arme, mais pas grave. Ok, bah si c'est Rast le resto, qu'est-ce que tu tiens, Grump? Au cas où, la sûreté arrière, s'il y a un pack qui arrive, okay, on a très bien. Fait le fond de du resto. Donc, faites gaffe au piège aussi. Hein. Ouais. Qui est-ce qui est dans la cuisine là? On est dans la cuisine. Bah, alors, il y a un chicken bacon à préparer, s'il vous plaît. Ok. Toutes les personnes inconscientes ont été réparées. On a retrouvé la fille. Nice. Nous, de notre côté, on a retrouvé le vétéran. Ok, bien pris. Visiblement, il reste peut-être des évidences à récupérer. On a arrêté combien de personnes là? 3. Merci Son Goku pour les 30€. Putain, vous êtes vraiment des enculés. Je vous aime, les mecs. Franchement, je vous aime. Mais. Franchement, vous êtes des enculés. Putain. Merci Son Goku pour les 30€. Merci Mr Beast. Merci Quentin pour les 90. Merci Akashi pour les 3 mois. Je sais pas si ça fait comme avant du coup. Je sais pas s'il reste encore des choses. Bah là j'ai un enfant mais... J'ai un enfant dans un local là. Ouais mais c'était... C'est bon c'est report. Ok. Ok, va falloir taper les XT à la limite pour voir. Essayer de choper s'il y a pas des évidences. Genre sac de méthamphétamine ou les armes. Est-ce que vous avez 1, 2, 3 sur chaque personne? Récupérer. Oui, 1, 2, 3 sur tous. Il y en a même un qui est 2. Ok. Bah là, j'ai une porte jam. Non mais qu'est-ce que tu fais, Mary, là? Qu'est-ce qui... Please. Il manque peut-être des armes. Désolé, ça me fait le totem. Non, un gun là. Deux, trois guns là, c'est normal. Heureusement, le sponsor relie pour tenir. Un gun là-bas. On est bon. Je veux te voir dormir en live et te réveiller avec la gauche. On peut go faire le grand tour à l'XT. Ouais, si. Go se split. Baizu, avec moi. Ouais. Jumpy, Jumper, vous allez faire l'autre côté. Nous, on va faire tout côté gauche. Par là où on est arrivé. Je vous retiens bien, vous. Vous, je vous retiens bien. C'est qui ça? Vous, je vous retiens bien. Ça a pas donné les 300€ au moment où j'avais mis une minute, quoi. Mais bien sûr, au moment où je mets 3 minutes, là, il y a du monde, là. Bande de petits sacs à merde, va. Ok, on fait main. Ok. Merci les poulets, vous êtes des monstres. Merci. Prends ta gauche. Nano, le Guy, Son Goku, Quentin, vous êtes des monstres, les amis. Merci pour tout, vraiment. Bah, je rejoins. Les héros veulent ma mort. Ils veulent se venger du coaching. Putain, j'ai trop peur le carton, là. Vous avez pas fait peur le carton, là? Go bâtiment à gauche, si. Il était là avant, mais... Bâtiment à gauche close, on peut pas progresser à l'intérieur. Ouais. Il parlait pas d'un garage? Si, le garage est là, ma courante à gauche. En avant là, on se regroupe là, on est en train de faire un peu de la merde. Grumpy, please, devant. Ouais. Attention. Allez, quelqu'un s'occupe de la sûreté arrière, please, si vous êtes derrière. Le mec là, ah non, mais... Putain, pourquoi ça me fait ça? C'est un peu relou. J'ai des alt tab... un peu relou. Inopiné. Ouais, un peu relou là, please. J'ai de faire de la merde. Et je... Garage fermé sur ma gauche là. Ouais, c'est dès que je fais un. Faut un mec qui tienne la ligne sur la droite, on sait jamais.
Vas-y, Balizou, prends la ligne sur la droite. Ouais, ouais, j'ai. Dès que je fais un retour, je sais pas pourquoi. Alt-entrée. Pour te remettre en plein écran. Tu penses Alt-entrée. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est que ma souris est en train de se balader en fait, tu vois. Ah ouais, Alt-entrée. Et. Alt-entrée. Après, je suis pas sûr qu'on puisse rentrer par le garage. Ok, hein. Ça a l'air bon. Je pense pas, mais bon. Bien vu, peut-être. Non, j'ai toujours la souris qui se balade à gauche en même temps, quoi. Forcément. Essaie de scope en l'air, de tirer, voir. Ou mets-toi en échappe. En échappe ? Que tu fasses une action de clic dessus. Non. Ah, tu sais que tu fasses juste une action de clic pour confirmer, pas non, qu'elle se barre. Il me fait toujours comme si c'était un borderless full screen, vous voyez ? Désolé. Ouais, moi j'ai ça depuis la mise à jour là, j'ai ça moi. Non, c'est juste pour que tu viennes pas embêter, Mary, t'inquiète, te prends pas personnellement. Si tu fais échappe graphique, t'es bien en full screen. Oui, je pense. Échappe graphique, t'es bien en full screen. Échappe option. Attends, je vais aller voir. Échappe option graphique. Ah non, plein écran fenêtré. Plein écran. En avant. C'est bon. J'ai plus besoin d'alt tab normalement. Normalement, ça devrait être bon. J'espère. Ouais, c'est bon. Nickel. Impeccable, t'es un monstre. Allez, en avant. Ah, désolé, il fallait que j'alt tab. Allez, let's go. Tu fais main courante à gauche, tu prends toujours... Ah, oh, ok, d'accord, tu prends les deux heures, nickel. Moi, j'ai toujours le bouchon arrière. Ok, nickel. Baizu, tu suis Grumpy quand il y va, d'accord. Jumpy, tu décroches. Jumper, tu fais main courante à droite le long du restaurant, okay, derrière toi, là. Et, ouais, et en avant, ok. Je suis derrière avec Baizu et tu t'occupes, tu gardes la sûreté arrière, Tisma. Jumper, tu décroches, tu pars direct main courante à droite, là, ouais, le long du restaurant. Okay. Voilà, exactement. 3, 2, 1, top. Rien, c'est clair ici. Non, c'est clair, y'a rien. Mais là, essaye d'ouvrir le garage. Non, négatif. Ça non, pas rien, rien faire, pas rien faire. Non, négatif. Vas-y, repasse, jumper down, jumper, décale pas, Grumpy, repasse devant Jumper, main courante à droite le long du restaurant et on fait tout le tour du resto, ok? En avant. Monsieur. Tisma, tu peux raccrocher. Ouais. Ça serait ouf. Ok, là c'est l'ouverture, mais ça j'ai bloqué. Ok. Avec vous? KRS entre les véhicules. Ok, j'ai un camion. Pour l'instant, RAS, il faut un pack avec moi pour avancer. On est tous derrière toi, poulet. Hein. On est en train d'avancer en colonne. Hein. Tisma, recolle. Ouais. J'ai la gauche du camion. Ok, ça marche. RAS à droite. Genre, ils ont pas coupé le passage dans la rue, quoi. Ils ont laissé les véhicules passer. Une ouverture d'angle, bouge pas. Ok. Ok, RAS pour moi. Très bien, je suis derrière toi. Ok. Vas-y, j'avance. Je pense qu'on a juste laissé des evidence, enfin des preuves à l'intérieur là. Ouais. Porte à droite. Ouais, vie. Ok, c'est la porte que t'as wedgé normalement, Jumper, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Il reste dans le véhicule. Ouais, les wedge là. Ok, bah continue. Main courante à droite, retape devant, porte principale. Le tout premier corps inconscient au moment de la descente du camion était bien reporté. Normalement, ouais. Ok. Combien de personnes ont été traitées? 3 ou pas? 3. Moi, ouais. J'avais une personne avec un Tech 9 sur le côté droit. Moi, je l'ai récupéré. Ok, oui, non mais ça, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait 3 personnes armées? C'est tout. Oui, ok, bon, ouais, bah on part du principe même... que les personnes ont été traitées, tout le monde peut se balader pour essayer d'aller récupérer des éléments qui seraient restés. 5 enveloppes ont été, attention ont au piège. Été non, négatif, elle a été. Après, c'est peut-être un civil qui a pas été 1-2-3. Enfin, merci Louis Sensei été... pour les 5 mois, c'est possible, hein. Ouais, ouais. À l'entrée, je pense. Moi, en haut de mon écran, j'ai mission soft complete. Hein. Ouais, je sais, ouais. Mais bon, en règle générale, ça c'est auto.
Non, c'est fini, réellement fini. Ok. Si c'est à l'ancienne. Ok, ici on a été. Là, ils ont barricadé, maintenant il n'y a plus de garage ici. Ok. Ouais, bah je vois pas grand chose. Quels sont les éléments qu'on pourrait retrouver ? Attends, je vais checker sur le... Charla appelle police secours, appel d'urgence de Moussadir, trouver Christophe... Quoi ? C'était un pistolet. Ouais bah voilà. Il est sur ceux du bar, il avait pas été ramassé. Bien ouais, je... Ok, bien joué. Okay. Bien joué. Ez ! Merci Louis Sensei, t'es un monstre mon poulet. Easy. Let's go. Ça commence. Est-ce que un de nous a été blessé ou pas? Non. Moi non. Est-ce sur la première mission extrêmement simple pour le coup. Je sens que Grumpy a été blessé, ouais. Non.